Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui dans cette classe de yoga spéciale chakra. Aujourd'hui, on va travailler notre chakra racine qui nous relie à l'ancrage et qui nous relie à cette sécurité intérieure. Donc, je vais t'inviter tout de suite à venir te placer comme moi en posture de méditation. Les pieds en dessous des genoux, les mains sur les cuisses. Le dos long, la tête bien ancrée sur les épaules. On va prendre ensemble trois profondes respirations. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Voilà. Trois respirations pour bien t'ancrer et bien te déposer dans le tapis. Bien, toujours connecté à ta respiration. Bien déposer ton attention, ta conscience dans ton bassin. Ressens le poids de ton bassin dans le tapis. Connecte-toi à tes ischions, aux os de tes fessiers. À tes jambes, à tes genoux, tes tibias, tes chevilles, tes deux pieds. Voilà, prends conscience de tout le bas de ton corps qui est relié à ce chakra racine, logé dans ton périnée. Et depuis cet espace du bassin, des jambes, prends conscience également du sol et de tout ce qui se trouve en dessous de toi, connecté à la terre, à la roche, à tout ce monde souterrain. Et ancre-toi dans le sol, comme si tu pouvais laisser des racines s'enfoncer profondément dans la terre. Voilà, laisse ton attention descendre vers le bas. Et s'il y a encore des pensées parasites qui sont là, te font voyager dans le passé ou vers le futur. Simplement reviens dans ton ancrage. Juste dépose de la présence dans ton bassin, dans tes jambes et dans tes pieds. On va venir déposer les deux mains devant l'espace du cœur en pressant les deux paumes l'une contre l'autre. Et je t'invite à réciter avec moi le mantra LAM, LAM, qui nous connecte ici par la vibration à notre chakra racine. Inspire par le nez, expire par la bouche et inspire pour chanter. Bien, relâche tes deux mains sur les genoux et puis viens ici te déposer dans les quatre pattes sur ton tapis. Viens déposer tes deux mains, ancre-les bien dans le sol et les genoux en dessous de tes hanches. On va venir tendre ici la jambe droite, monter sur les orteils du pied droit et puis commencer à faire quelques mouvements d'avant en arrière pour venir travailler la région au niveau des orteils.
au niveau de la cheville. Tu peux faire quelques mouvements de rotation avec ta cheville, te mettre sur le dessus du pied. On va prendre le temps d'aller en avant, en arrière pour ici travailler, étirer toute la zone arrière de la jambe droite. Bien. Et puis monte la jambe droite face au sol, parallèle au sol, les orteils qui pointent vers le bas. Trouve ton équilibre, respire profondément. La tête bien étirée vers l'avant pour bien allonger ton dos. On va fléchir le genou droit et avec la main droite, on va essayer d'attraper le pied arrière. Si tu ne peux pas attraper le pied, juste garde le bras et le genou fléchi. Sinon, tu peux essayer d'attraper ici ton pied droit avec ta main gauche. Bien, prends une inspiration. Et expire, main gauche au sol. Je vais tout de suite ici tendre jambe droite et étirer bras droit vers le ciel. Voilà, la cheville droite est flex, les orteils pointent en direction de ton cœur. Le bout des doigts de la main droite est bien étiré en direction du plafond. Inspire. À l'expire, étire le bras droit au-dessus de la tête en direction de l'avant de ton tapis. Respire bien profondément à ton rythme. Prends une inspiration, étire le bras droit vers le ciel. Et viens fléchir le genou droit. Peut-être tu peux attraper ton pied derrière toi. Voilà, respire bien. Fixe un point devant toi pour trouver ici l'équilibre. Prends une inspiration, étire ton bras droit et ta jambe droite. Prends une respiration profonde et sur ta prochaine expiration, viens déposer le pied droit à l'avant de ton tapis. On est ici en demi-fente. Je vais regarder loin devant moi, bien allonger mon dos et sur une inspiration, bien étirer les deux bras vers le ciel. J'inspire. À l'expiration, trouve ici bien l'équilibre pour tendre jambe droite et bras cactus. Inspire, genou droit fléchi, bras vers le ciel. Expire, fléchis les coudes, tends ta jambe droite. Inspire, étire, reviens en demi-fente. À l'expire, retrouve ici tes deux mains sur ton tapis. Garde le dos long, viens ici tendre ta jambe gauche, fente haute. On va ici déposer le talon droit à plat au sol. Et mouliner les deux bras pour trouver ici notre guerrier 2. Tes deux pieds ici sont perpendiculaires l'un à l'autre et ton genou droit au-dessus de ta cheville droite. Inspire, paume de la main droite vers le ciel. À l'expiration, étire bras droit vers le plafond, main gauche sur ta cuisse gauche. Respire bien profondément ici, garde bien l'attention dans tes appuis en pressant fermement les deux pieds dans la terre. Inspire, reviens ici dans la posture du guerrier 2 et viens tendre ta jambe droite. On va à l'inspiration, s'étirer vers l'avant et à l'expire, main droite sur le tibia, bras gauche vers le ciel. Trikonasana. Posture du triangle. Garde les deux jambes tendues. Garde ton auto-grandissement. Allonge bien ton dos. Et de nouveau la main gauche. Le bout des doigts s'étire vers le plafond. Inspire, regarde vers le pied droit. Et à l'expire, viens déposer ici tes deux mains de nouveau dans la fente haute. Donc lève ton pied arrière et regarde vers l'avant. On va déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Gardez ici les deux pieds joints. Et inspire, main tibia, allonge le dos, regarde vers l'avant. Expire, Uttanasana, main vers le sol, relâche bien la nuque. Inspire, redresse-toi, déroule le dos, étire les deux bras vers le ciel. Et expire, main devant le cœur.
On va lever le genou gauche hors du sol, bien ouvrir ici notre hanche gauche sur la gauche pour la posture de l'arbre. Donc ici, on va avoir le pied soit sur le mollet. Si tu n'as pas d'équilibre aujourd'hui, tu peux déposer les orteils au sol, talon, cheville. Sinon, pied sur le mollet. Ou sinon, si tu es plus avancé dans la pratique, tu peux déposer ton pied à l'intérieur de ta cuisse droite. Peu importe où tu es, viens déposer les mains devant ton cœur. Trouve bien ton équilibre, fixe un point devant toi. Respire profondément et souris. Sur une prochaine inspiration, étire les deux bras vers le ciel. Le bout des doigts s'étire, les épaules se relâchent. Prends une profonde inspiration. Et expire, ramène les deux mains devant le cœur. Inspire, ramène ici ton genou droit devant toi. Donc tu es ici à l'avant de ton tapis. À l'expiration, étire jambe gauche loin derrière et retrouve ici ta fente haute. On va venir ici étirer pied droit vers l'arrière, trouver ici notre planche. Et on va ici déposer les talons à droite au sol et peut-être trouver une planche latérale sur le bras droit. Si jamais tu ne peux pas tendre les deux jambes, eh bien viens déposer ta jambe gauche, fléchis pied gauche devant toi. Pousse bien ton bassin vers le ciel. On va ramener main gauche au sol, revenir dans la planche. Prends une inspiration. Et expire, descends à plat ventre sur ton tapis. Ancre bien ton bassin dans le sol. Inspire, cobra, regarde bien vers l'avant. Ouvre ta poitrine. Et expire, pousse le bassin vers l'arrière. Chien tête en bas. On va ici fléchir un genou à la fois, donc le chien tête en bas. Voilà, allonge bien ton dos. Et reviens chien tête en bas, prends une inspiration, reviens dans la planche. Et redépose tes deux genoux sur le sol. On va ici tendre jambe gauche et puis faire quelques mouvements de l'autre côté. Tu peux faire quelques mouvements de rotation avec ta cheville gauche. Bien, et puis reviens ici, lève jambe droite, allonge bien ton dos, les épaules loin de tes oreilles. Tu vas pouvoir fléchir le genou gauche et avec ta main droite, essayer d'attraper ton pied arrière. Si tu ne peux pas attraper le pied, garde le genou fléchi et le bras étiré vers l'arrière. Respire bien, fixe un point devant toi et conserve bien toute ton attention dans tes appuis. Ta main gauche, ta jambe droite. Bien, inspire. Et à l'expire, étire de nouveau jambe gauche et dépose ta main droite au sol. On va ici ouvrir notre hanche gauche vers le ciel et étirer le bras gauche également vers le plafond. Respire bien profondément, trouve ici ton propre équilibre. Viens fléchir genou gauche et peut-être que tu peux attraper le pied derrière toi. Respire bien profondément. Inspire. Expire. Inspire de nouveau, étire ta jambe gauche et ton bras gauche. Et à la prochaine expiration, viens déposer ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Tu es ici. Dans la fente basse, dépose ton pied arrière sur le sol, inspire, étire les deux bras vers le ciel. Le bout des doigts s'étire, les bras sont dynamiques, les épaules détendues.
Inspire. À l'expire, tend jambe gauche et bras cactus. Inspire, reviens ici dans la posture de la demi-fente. Expire, tend jambe gauche, bras cactus. Inspire. Et expire. Inspire. Et à l'expire, viens déposer tes deux mains sur le sol. On va tendre ici notre jambe droite, regarder vers l'avant et déposer maintenant le talon droit à plat au sol et mouliner nos deux bras pour la posture du guerrier 2. Regarde vers l'avant. Presse bien tes deux pieds dans le sol, ancre-toi dans la terre. Inspire, paume de la main gauche vers le ciel. Et à l'expire, étire bras gauche vers le plafond et main droite sur la cuisse droite. Respire profondément ici. Inspire. Et à l'expire, ramène ici tes deux mains parallèles au sol. Tends ta jambe gauche. Trikonasana, le triangle. Inspire, étire-toi loin devant, comme si tu voulais attraper un objet. Et à l'expire, main gauche sur le tibia et bras droit vers le ciel. Presse bien tes deux jambes dans la terre. Connecte tes voûtes plantaires dans le sol. Étire bien tes deux jambes. Ressens ici les sensations. Ressens ton bassin, ton périnée. Allonge ton dos. Inspire, regarde pied gauche. Et à l'expire, fléchis genou gauche et retrouve ici ta fente haute. Regarde vers l'avant, prends une profonde inspiration. Et à l'expire, pied droit à l'avant de ton tapis. Les deux pieds ici sont joints à l'avant. Prends une inspiration, main tibia, dos long, regarde vers l'avant. Expire, relâche les mains vers le sol, relâche bien ta nuque. Inspire, déroule le dos et tire-toi vers le ciel. Et expire, samastiti, dépose tes deux mains devant le cœur. On va venir lever le genou droit à présent, hors du sol. Je me mets face à toi. Et on va ouvrir la hanche à droite et déposer le pied sur le mollet. Pareil, si tu as peu d'équilibre, orteil au sol, talon cheville. Si tu es plus avancé, peut-être tu peux déposer ton pied à l'intérieur de ta cuisse gauche. Peu importe où tu es, garde les mains devant le cœur, allonge ton dos, auto-grandis-toi, respire. Et sur la prochaine inspiration, viens étirer tes deux bras vers le ciel. Allonge bien tes deux bras, détends bien tes épaules. Trouve ici ta stabilité, ton équilibre et confiance en toi. Sens-toi solide comme un arbre. Prends une inspiration ici. Expire, ramène ici tes deux mains devant le cœur. On va relâcher la jambe droite, ramener le genou droit devant. Et depuis ce mouvement, je vais à l'expiration, redéposer mon pied droit loin derrière sur mon tapis. Retrouver ici mes deux mains sur le sol. Ramène ton pied gauche derrière, retrouve ici la posture de la planche et viens déposer ici tes deux talons à gauche au sol et étire le bras droit vers le ciel, planche latérale. Tu peux toujours mettre ton pied droit devant si jamais tu as besoin d'un soutien supplémentaire. Inspire, expire. Main droite au sol, retrouve ta planche. Prends une inspiration. Expire, descends à plat ventre sur le tapis. Inspire, cobra, ouvre bien la poitrine. Et expire. Pousse les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant.
Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Retrouve ta table. Redresse-toi et viens ici t'allonger sur ton tapis. Ramène les deux genoux contre la poitrine. Viens déposer tes deux pieds dans le sol. Les deux pieds sont parallèles l'un à l'autre. Sur la prochaine inspiration, pousse le bassin vers le ciel et tire les bras vers l'arrière. Respire bien ici dans le demi-pont. Et expire tout doucement, déroule le dos sur le sol, les deux bras le long du corps. Et viens tendre tes deux jambes sur ton tapis. Ouvre les deux bras vers les deux paumes de main vers le ciel. Prends le temps de fermer les yeux. Et viens scanner ton corps. Commençons par le bassin. Ressens ton bassin, le poids de tes hanches dans le tapis. Ressens ton périnée, ton plancher pelvien. À l'expiration, prends le temps de le détendre. Détends tes cuisses, détends tes genoux, tes mollets, les chevilles, les deux pieds. Voilà, prends le temps de connecter, d'ancrer, d'alourdir tout le bas de ton corps. Pourquoi pas visualiser une couleur rouge qui se diffuse dans tes jambes. Voilà, prends le temps nécessaire pour accueillir toutes les sensations dans ton corps, te relâcher, te détendre. Merci pour ta présence, merci pour ta pratique aujourd'hui. Namasté.